Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pose d'Art. Anecdotes, passions, parcours inspirants d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc, La Pose d'Art. Ce que je trouve très très dommage dans le milieu, que ça soit au Cameroun ou même sur le continent, et peut-être même ça se séparait en Europe, j'en sais rien, c'est la position de la femme dans notre milieu. Et je parlerai encore plus, je t'interrogerai encore plus sur le milieu camerounais. Est-ce que tu as l'impression que la femme que tu es, la jeune fille que tu es, la jeune femme que tu es, trouve son espace? Est-ce que dans les façons de faire ici, chez nous, donnent déjà de l'espace à la créativité des femmes, on va dire? Alors, je ne vais jamais me sentir victime de quoi que ce soit parce que je n'aime pas cette position-là. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui se font, je pense qu'il y a des choses qu'on a conçues depuis, comme le fait que l'homme doit toujours se sentir supérieur à la femme, chose qui est d'ailleurs très faux. Je suis d'accord avec toi. Parce que l'homme n'a jamais été supérieur à la femme et je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. Et la société est conçue de telle sorte que l'homme se déploie dans certains domaines plus que la femme, ouais, notamment là. Je pense que, en fait, c'est une certitude vu comment est-ce que les choses évoluent. Et je crois que les galeristes, ils préfèrent davantage les hommes parce qu'ils sont sans attache. On s'est dit, la femme bientôt sera mariée, aura des responsabilités, aura des enfants, elle ne pourra pas tenir. Mais c'est faux, vous n'avez pas idée de ce que la femme peut faire en une journée avant de se coucher. Mais tout ça, ça prendra du temps pour changer. Et pourtant, je ne sais pas, 80%, peut-être même 100% dans certaines géographies de ces galeries-là sont tenues par des femmes. Oui, oui. C'est ça qui est curieux. Oui, bon, là, c'est du business. On ne parle pas sur une sorte de justice, mais ils sont dans du business, il faut comprendre. Si tu penses que c'est pas ça, c'est un investissement qu'ils font, ils doivent se donner les chances à ce que ça marche vraiment 100% comme ils veulent. On n'a pas obligé aussi qu'ils essayent de voir si les femmes marchent ou pas, non. J'ai arrêté de me poser la question des galeries il y a longtemps quand j'ai compris que voilà la réflexion qui se font sur des femmes, parce qu'il y a même l'UNESCO qui a fait des études également dessus. Et donc j'évolue dans mon coin. Si un jour j'ai la possibilité, j'ouvrirai ma propre galerie et puis basta. D'accord. Faut pas se casser la tête. Mais ce que je remarque aussi, c'est le fait que dans notre milieu, moi je parle vraiment au Cameroun, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes artistes, et qui justement sont dans ce discours-là, j'évolue dans mon coin. Je peux citer peut-être quelqu'un comme Wilfried Bida, que je connais pas mal, et qui, tout comme toi, est dans son coin, mais qui mène une belle carrière. Ça, je le reconnais. Mais ce que je trouve quand même dangereux, dans ce genre de positionnement, le fait de ne pas prendre la parole. Okay? Moi, je perçois ça comme ça. De ne pas prendre la parole, ce n'est pas que vous refusez la parole, mais vous ne la prenez pas juste. Ça peut pousser le fait que d'autres filles, des jeunes filles plus jeunes que vous, peut-être, qui ont envie d'arriver à ce que vous faites, se disent que, ah, mais il n'y a personne qui me précède dans ce truc-là. Je n'ai pas vraiment de référent par rapport à ça. Et du coup, baisse les bras rapidement. Tu vois? Donc, moi, c'est mon inquiétude, en tout cas, par rapport à... Mais je respecte votre positionnement. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense, là, comme ça, Daniel Nindom, Grace Dorothée, tu vois? Mais c'est...
on ne sent pas que il y a la vous prenez, vous dites ah, ok, allez, allons-y quoi. Je pense que selon les expériences des uns et des autres, et on doit choisir ses combats. Ouais, on doit choisir ses combats. On peut choisir de dédier peut-être le temps à prendre la parole et à réclamer le fait d'exister peut-être dans des galeries. Ça pourrait éventuellement se faire, mais est-ce que ce sera sur du long terme? Non, est-ce pour que moi, ça va changer? Pour la moi, mentalité? Ce n'est même pas seulement d'exister sur les galeries. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas, moi, je n'ai presque pas de relation avec les galeries. Moi, toute ma carrière, depuis 10 ans, je l'ai fait dans les centres d'art, dans des espaces de, comment ils appellent ça, l'expression m'échappe, mais vraiment dans des espaces dédiés à l'expérimentation, à la création, des choses comme ça. Mais même dans ces espaces-là, il y a très peu de femmes. Il y a très peu de femmes. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui font des choses extraordinaires, tu vois. Moi, je trouve même déjà la sensibilité des femmes plus... Elle est plus exacerbée que celle des hommes. Je le dis parce que moi, vraiment, j'ai la chance, à travers les cours que je donne à l'univers, au Beaux-Arts, et la relation que j'ai avec certaines artistes féminines sur le terrain, mais je les trouve extraordinairement talentueuses. Et je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas plus que ça. Pourquoi il n'y a pas plus d'expositions où vraiment on voit le travail de ces femmes-là, tu vois. Et je trouve ça dommage. Et comme je te disais plus haut, pourtant, la plupart des espaces au Cameroun sont portés par des femmes. Ok, qui ne sont... Je ne parle pas des galeries, parce que comme galerie, on n'en a qu'une seule. Mame qui fait ce qu'elle peut. Et pour moi, c'est une vraie interrogation. Je te demanderai peut-être pas de répondre à ça. Peut-être c'est même une question que je me pose à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être une réflexion, quoi. C'est de se dire, on gagnerait à réfléchir dessus. Mais pourquoi? Pourquoi ce truc-là, tu vois? Mais la nature elle-même aussi répond déjà, parce que la femme a toujours été en compétition avec la femme, réellement. Donc, la femme se sent plus à l'aise avec un homme, avec des hommes, donc ça peut répondre à cela, comme ça peut ne pas répondre, mais au moins, je c'est pense un début que, de réponse. Oui, c'est un début, mais c'est tout ça, c'est le marché de l'art. Ouais. Tout ceci, c'est le marché de l'art. Et je pense que ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, on doit le faire, peu importe dans quelles circonstances on a à le faire, que nous soyons au sommet ou pas. C'est une histoire que nous écrivons et je pense que demain, ça se fera son chemin et ça ira où ça doit aller. Ben je nous le souhaite. Je nous le souhaite totalement, quoi. J'ai peut-être encore une dernière préoccupation. Là, il me vient là, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est au niveau de la collaboration. De la collaboration. Peut-être qu'on en parle un peu. Quel est ton sentiment? Parce que moi, je trouve qu'au Cameroun, les artistes ne collaborent pas beaucoup, peut-être pas. Je ne pourrais pas citer de mémoire comme ça, là, des expositions où j'ai vu vraiment deux artistes se mettre en résidence pour créer, se faire plaisir. Est-ce que toi, tu penses des fois à ça, à des collaborations? Et peut-être si elles ne se font pas, pourquoi elles ne se font pas? Alors, j'y pense souvent. J'y pense vraiment. Avec Aurélie, on en a parlé. Alors, pourquoi elles se font, pourquoi elles ne se font pas? Je pense que ça, c'est de l'ordre, c'est de la mentalité des Camerounais. On va dire ça comme ça. Le Camerounais, il a ces trucs-là gratuits. Parce que c'est gratuit, c'est là comme ça, tu n'as pas fait d'effort, mais tu as ça. Et que... Tu regardes jamais ton semblable sereinement. Ouais.
Tu ne peux pas être sereinement content pour ton semblable. Les gens se croient toujours en compétition. Oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a déjà ça, le fait que les gens se sentent en compétition, menacés. Mais c'est un peu ridicule à la longue quand on y pense. Mais c'est là. Et du coup, vu qu'on n'est pas pareil, certains préfèrent ne pas prendre le risque de se retrouver dans une sorte d'amalgame. D'accord. Ouais. Et aussi, je pense qu'il faut, dans le domaine de la collaboration, il faut se sentir les deux en fait. Si tu veux collaborer avec quelqu'un, il faut que vous sentez, il faut que vos énergies s'acceptent. D'accord. Ouais. Je pense que dès lors où les deux énergies se sont acceptées et vous-même vous êtes accepté et que vous regardez dans une direction précise, là la collaboration peut être, ouais, elle peut réellement se faire sans aucune encombre. Mais dès lors, du moment où vous forcez, non, ça n'ira jamais loin. Et c'est justement ce que je disais tantôt. Les gens au Cameroun, on parle beaucoup des autres sans prendre le temps de parler de soi. La pause d'art. Du moment où tu te connais, tu connais tes possibilités, tu ne vas jamais craindre l'autre. Pourquoi tu vas craindre l'autre? Même si on partage une chambre, on peint ensemble à la même heure, on ne va jamais peindre la même chose. Même si on travaille sur le même sujet, on ne va pas l'exprimer de la même façon. Parce que nous ne sommes pas pareils. Mais il faut comprendre cela et dépasser cela pour pouvoir collaborer sur un projet et qu'il réussissent réellement. C'est quelque chose qui m'a toujours interrogé, en tout cas, ce manque de collaboration entre les artistes, le fait même que les artistes ne se fréquentent même pas beaucoup, déjà. On se rencontre lors des vernissages, mais il n'y a jamais vraiment de grosses discussions intellectuelles sur ce que nous faisons, en tout cas. Lauriane, là, nous tendons vraiment à la fin de notre échange. Le mot de fin te revient. Si peut-être il y a quelque chose que tu aurais souhaité évoquer, dont je n'ai pas mené, c'est le moment. Ton coup de gueule, ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Non, moi, je remercie grandement la nature et Dieu aussi pour tout ce que je suis. Ouais, parce que sans ces deux êtres, la nature, parce que moi la nature c'est un être aussi qui peut être Dieu possible, sans eux je crois que je serais personne quoi. Ouais, je suis contente de faire de l'art. Je vais pas parler, j'étais la pierre à X ou à Y dans le domaine de l'art, mais je pense qu'on gagnerait à être sincères les uns avec les autres. Ouais, ça ne sert à rien de regarder ton frère et de sourire quand tu penses du mal de lui. Je sais que c'est un travail assez difficile à faire, mais ça vaut le coup d'essayer d'être bien pour soi-même et d'être honnête envers l'autre. Ouais, c'est ce que je déplore dans le domaine artistique parce que j'espérais trouver un milieu vraiment serein, un milieu pieux, un milieu bien quoi. Et quand tu arrives, tu trouves des gens, des personnes frustrées, tu trouves des personnes haineuses, tu trouves des personnes envieuses. Et c'est un hôpital psychiatrique là. Et tu te demandes, mais qui est vrai dans tout ceci? Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent du recul et se mettent à l'écart de tout cela. Parce qu'on ne se retrouve pas vraiment. Ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ce serait bien si les gens pouvaient faire l'effort
d'être sincère. Et de se réjouir du succès des uns et des autres. Ça ne sert à rien parce qu'au final, personne ne vivra la vie de l'autre. Hein. C'est ça. Ouais. Ce qui arrive à l'autre, c'est sa vie. C'est écrit que ça doit arriver comme ça. Que tu sois heureuse ou pas, ça ne viendra pas chez toi. Donc, c'est mieux d'être heureux pour la personne. Surtout que si la personne réussit, qui sait, peut-être toi, demain, ton enfant, il pourra aider. Moi, je suis très contente quand je vois peut-être Jean David Cotte. Ouais. Je suis vraiment contente. Lui, on ne discute pas beaucoup. Mais le fait qu'il prenne certains étudiants, il aide beaucoup de jeunes. Tu vois, il a réussi dans sa, il a une belle carrière, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait d'étendre la main. Et il le fait avec un grand cœur. Et vraiment. Et de manière désintéressée. Et voilà. Je vais te dire, c'est même pas que juste aux jeunes, parce que même aux artistes de sa génération, et même certains qui l'ont un peu précédé, ils donnent des coups de main. Voilà, donc je suis contente et j'espère qu'il ne va pas changer. Non, je ne pense pas. C'est dans sa nature. Okay. C'est dans sa nature, je crois. Voilà, ouais. Je crois que peut-être on va pas citer pour que les hommes se sentent pas. Ouais, je suis contente de lui. S'il fallait mentionner quelque chose, je mentionnerais cela. Ouais. Donc, ça serait ça ton coup de cœur. Oui, c'est ça, mon coup de cœur. Super. Bah, merci beaucoup, Lauriane. C'était vraiment un moment comme je les aime dans la pose d'art, de découvrir l'autre. Version de l'autre, parce que il y a ce que nous pouvons percevoir ou entrevoir en regardant tes travaux, mais il y a ce que toi tu as voulu véhiculer à travers ces travaux qui des fois nous échappe. C'est génial. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.